Bonsoir les amis. Voilà, j'ai voulu faire une petite vidéo là pour exprimer une réflexion, comme j'en ai souvent tous les jours, bien souvent, et pas être le seul à en avoir d'ailleurs, concernant un partage que nous a fait mon ami Pierre Eman, donc sur Facebook, exprimant une réflexion sur le sens de Dieu, le sens de la science, un sujet fort polémique, tout le monde pourrait bien le comprendre. Et le plus étonnant, c'est qu'effectivement, beaucoup de gens se sont acharnés à exprimer, expliquer, voire même, pourquoi pas, en exprimant que leur vérité était leur vérité et que malgré tout, elle était tout à fait défendable. Alors, à mon tour, j'ai exprimé à travers quelques mots, mon regard sur ce qu'est le sens de Dieu. D'ailleurs, ce sera une rubrique que j'aimerais développer, que je souhaite développer au sein de la télé de l'eau. On viendra demander à nos invités leur regard sur Dieu. D'ailleurs, il y a eu une très belle émission sur Internet il y a quelques années où on avait interrogé des gens du monde entier qui étaient Dieu pour eux. On leur avait laissé 20 minutes à peu près de parole chacun. Et ça avait fait des résultats très beaux, très très beaux. Alors pour ma part, Dieu, une chose que j'aime beaucoup lorsqu'on parle de Dieu, c'est une... Je crois que ce sont les Arabes qui expriment ça le mieux. C'est le nom qu'on ne peut pas nommer. Ou le lieu qu'on ne peut voir. Alors je ne sais de quelle culture ça vient, mais j'aime beaucoup ça. Ça donne, en fin de compte, une direction, quelque chose vers où on va. Pas quelque chose de définissable, plutôt quelque chose qui nous attire, dont on a le vague sentiment sans en avoir la connaissance. Et il est tout à fait difficile, en fin de compte, de pouvoir exprimer avec des mots, avec des choses concrètes, avec des choses qui relèvent de l'être. L'aspect, pour certaines définitions, assez irréel de Dieu. Comment exprimer que Dieu n'est pas avec notre capacité, avec nos expressions qui relèvent de notre propre existence, c'est-à-dire de ce qui est. Moi, pour ma part, je ressens Dieu plutôt comme le chemin de vie. Plus on devient ce chemin, plus on est dans le chemin, plus on porte le chemin en soi, alors limite, plus on se rapproche de Dieu, jusqu'à un point où on arrivera à se rendre compte, il me semble, que Dieu c'est nous. Qu'il est dans la capacité de chacun d'entre nous de le ressentir, de le percevoir, de l'interpréter, de le comprendre, de le vivre, d'en douter, de l'ignorer, peu importe toutes les directions qu'on peut prendre, elles partent de nous, vers nous, pour nous. Et vouloir en donner un sens, bien souvent, c'est quelque part une façon d'éluder nos peurs, de les mettre au lointain. Pour certains, lorsqu'on passe par la religion, c'est carrément remettre le fardeau dans les mains d'un autre et se libérer quelque part de son poids de vie. Je sais que ce que je dis peut choquer certaines personnes, et c'est pas là le propos. Je ne souhaite choquer personne, si ce n'est qu'il me semble que, par le message que je transmets, si tant soit peu qu'il ait peut-être entendu, c'est un message de tolérance, c'est un message de paix et d'accueil, et que si chaque être humain en soi pouvait reconnaître que ce qui le fait vibrer, ce qu'il ressent de l'invisible, ces grandes peurs que sont la mort, que sont toutes ces choses qu'on aimerait connaître et qui ne sont pas, et qu'on se force à forger à coup de connaissances, à coup de savoir, en créant des idées, des formes, des traditions, des coutumes, des religions,
censé relier. Et là, c'est des forces de constater que, en cette société, en cette civilisation de début du XXIe siècle, en l'an 2, de la nouvelle ère, puisque j'aime dater mon calendrier à compter du 21-12-2012, comme étant le premier jour de l'an 1. Donc, c'est mon choix. Je ne vois pas pourquoi je devrais être complètement dépendant du choix d'un pape. Respect à tous les papes, hein, mais... Blague mise à part. Voilà, point. Aucune intention de ma part de vouloir choquer, juste voilà, partager. Hein. Et juste demander aux gens qui ont tant de choses à nous faire savoir, quelque part, qu'ils s'interrogent à ce qu'ils donnent à leurs enfants. Quels sont les messages qu'ils amènent dans leur connaissance, hein, en leur disant, en expliquant un peu trop, en voulant trop définir, quelque part, l'indéfinissable. Y a-t-il une réponse? Y a-t-il un chemin dans ce sens-là? Pour ma part, chaque individu, chaque être qui rentre dans la conscience de ce questionnement-là, est sur le chemin de Dieu, sur son propre chemin, sur cet événement extraordinaire qui nous entoure, dans lequel on existe, qui est la vie. Cette chose concrète, parfaitement définissable par chacun d'entre nous, même au terme que tout le monde est illusion, même que la physique quantique tendrait à démontrer que bon, l'espace entre un noyau et la patati patata, oui, certes. Mais avec quelle matière on démontre tout ça si ce n'est à travers le concret de nous-mêmes? Démontrer l'invisible avec du visible, oh. Je crois qu'il est seul qui arrive, qui s'en approche. Ce sont les artistes. Ce sont tous les élans d'amour, tous les élans inspirés, qui permettent à un moment de toucher ces points d'équilibre, du visible et de l'invisible, du compréhensible et de l'incompréhensible, du conçu et de l'inconcevable, qui nous mettent sur ce point d'équilibre où une sorte de vérité grande, unique, s'installe, demeure, le temps qu'on y est, et qui nous met dans un état de paix et de joie indéfinissable. Voilà les quelques réflexions que je voulais partager. Je ne sais pas si j'ai été bien clair, mais j'ai envie de vous le dire. Et vous dire aussi que je me sens bien dans la vie que je partage avec vous tous. Que je suis heureux de partager la vie avec le vent, avec les voisins, avec la voiture qui roule, hein, le chat qui... Oui, le chat qui ronronne, les oiseaux, les insectes, hier, demain, enfin toutes ces choses qui nous gouvernent et qui essayent de faire de nous, ou on essaye plutôt de vivre avec, pour rendre chaque instant le plus heureux possible, en fonction des moyens qu'on dispose de nos humeurs, de nos capacités à être. Voilà mes chers amis, c'est ce que je voulais vous partager. Je vous aime, je nous aime, je t'aime. Bye.